On prépare quand même une finale de Coupe de France, mais la saveur de la Coupe, elle n'y est pas forcément par rapport à toute cette ambiance, et puis en sachant qu'on va jouer dans un stade qui va être vide, sans nos supporters du tout d'ailleurs. Donc c'est particulier, mais en même temps, c'est une finale de Coupe de France, et ça veut dire ce que ça veut dire, surtout à Saint-Étienne où ça représente quand même beaucoup de choses. C'est que ça sera mon dernier match, donc forcément avec beaucoup d'émotions. Alors j'aurais aimé que ça soit autrement, jouer mon dernier match autrement, mais on se rend compte qu'on choisit jamais la fin. Il n'y a pas de fin idéale, alors c'est celle-ci. Et puis bon, je sais même, enfin aujourd'hui au final je suis content d'être ici parce que c'était même pas forcément prévu il y a quelques mois, parce que avec cette situation exceptionnelle on savait pas trop où on allait. Voilà, mais après je l'ai pas encore annoncé publiquement parce que avant la finale, parce que je savais pas trop comment l'annoncer. Je sais pas quand je vais l'annoncer, parce que officiellement. Voilà, mais ma décision elle est prise, elle est réfléchie, je suis tranquille avec ma décision. Mais après par contre c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions parce que ça fait 17 ans que je joue, ça fait 23 ans que je suis au club, donc voilà, c'est une page qui se tourne. Après, mais il y en a une autre qui va s'ouvrir, j'espère que ça sera au club. Normalement, c'est prévu, il n'y a pas de raison. Mais c'est sûr que ça va me manquer. Je suis fier, surtout en étant stéphanois. Alors, en début de carrière, j'aurais jamais imaginé faire toute ma carrière dans un club, parce que dans le foot, c'est impossible à dire. Après, c'est les opportunités qui m'ont fait rester ou ne pas partir plutôt dans d'autres clubs. Et puis c'est surtout aussi le projet sportif qui a été intéressant, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai joué pas mal de matchs européens aussi, la Coupe de la Ligue, je pense que depuis 2010, on a fini par l'année dernière qui a été un peu compliquée, mais bon, on a fait quand même des très beaux classements en championnat avec nos moyens, et je pense que c'était des réelles performances. Voilà, c'est tout ça qui m'a fait rester, l'ambiance au sein du club. Voilà, je m'y suis retrouvé. Et aujourd'hui, il faut laisser la place un peu aux jeunes, c'est le jeu, c'est comme ça.